Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je ferai un tirage pour le 4 mars pour les deux signes. Je demande une question pour vous, une réponse pour vous. Réfléchis bien avant, je tourne les cartes pour les deux signes. Demandez une question que vous êtes. Beaucoup de questions, peut-être une situation, vous êtes très occupé pour une situation, peut-être ça va parler pour vous, une réponse, deux réponses angéliques. Je donne une carte, chaque réponse pour une personne, un signe, les deux signes. Alors, je commence avec les béliers. Essayez de réfléchir, les béliers, quelles questions que vous pensez. Et moi, je tourne les cartes pour vous, les béliers. Si vous êtes demandé quelle question que vous voulez savoir, pour oui ou non. Une question de oui ou non. Ça, c'est un tirage que j'ai fait aujourd'hui pour le 4 mars. Je tourne la carte. Si vous voulez écouter le message, peut-être arrêter les vidéos et réfléchir pour les questions. Après, vous gardez. Alors, je tourne à rester les pouces positifs, les mots positifs. Il y a un cadeau. Si vous pensez à un cadeau, à une aide, soit vous pensez quelque chose que vous êtes envie à un changement, soit un changement dans votre foyer, ou soit vous tendez un cadeau, vous tendez un cadeau. Alors, si vous êtes attendez un cadeau, peut-être bientôt, il y a un cadeau, quelque chose qu'elle fait beaucoup heureuse, restez positif, c'est quelque chose de positif. Si vous êtes dans la, un petit peu, parfois, si vous êtes, qui changez les murs, peut-être vous n'êtes pas content, il y a une situation, un cadeau, pour moi un cadeau. Un cadeau quelqu'un, un cadeau qu'elle amène, un cadeau, ou soit un cadeau à une aide qui vous tendez le signe de lion. À le signe de bélier, excusez-moi. Alors, pour les taureaux. Alors, les taureaux, vous pouvez arrêter les vidéos. Avant, je tourne la carte pour vous, votre conseil pour vous. Arrêtez les vidéos, réfléchissez qu'est-ce qui vous demandez, les réponses pour vous. Je tourne maintenant. Communication claire. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas, vous communiquez avec quelqu'un clair. Ou soit vous attendez à une communication avec l'étranger. C'est les gens qui sont bloqués pour l'étranger. Ou soit les gens qui travaillent avec l'étranger. Ou soit à un contact avec quelqu'un loin de vous, soit distante. Ou soit une communication claire avec quelqu'un. Ou soit une situation que vous avez besoin de communiquer clair. Les taureaux. Voilà votre réponse. Pour les gémeaux, les réponses pour les gémeaux. Alors, réfléchis, les gémeaux, arrêtez les vidéos si vous voulez. Et après, vous voyez une question, une réponse. Vous avez besoin d'obtenir vous plus les formations. Peut-être vous êtes un soutien, peut-être quelqu'un qui va donner une solution. Les clés pour moi, c'est quelqu'un qui trouve les solutions ou soit une situation qui vous tombe les masques, hein, quelque chose. Vous voyez, ça, c'est comme un masque pour moi. C'est quelqu'un qui vous a porté beaucoup le masque, beaucoup longtemps, à une situation que vous ne voulez pas voir vraiment claire. À une solution, vous trouvez vous-même les solutions. Les solutions, c'est vous dans votre main, si vous êtes, vous voulez continuer. Ça dépend de votre question, qu'est-ce que vous êtes pensé. Si vous pensez à une situation qui doit trouver solution, ou soit quelque chose qui vous n'est pas clair, et pour vous, ce n'est pas clair encore, vous avez besoin d'avoir les choses plus claires, peut-être tomber les masques, si vous êtes, vous voulez pas comprendre, ou soit vous fermez les yeux à cause d'une situation qui doit ouvrir les yeux. Un conseil, une réponse pour le conseil, pour le concert, excusez-moi. Le conseil, je n'ai pas donné le temps, vous arrêtez les vidéos, après vous réfléchir. Alors, ça sortir, ça dépend de vous. Alors, ça dépend de vous, c'est une situation qui vous aide à penser beaucoup. Si vous voulez faire quelque chose, soit vous voulez offrir votre cœur à un nouvel amour, ou soit donner une chance à une personne,
Ou soit, si vous êtes quelqu'un qui ne croit pas à quelque chose, que vous n'êtes pas beaucoup la foi, ou soit vous êtes douté en situation, vous voyez cette femme qu'elle monte le doigt, c'est peut-être quelqu'un qu'elle croyait pas grand-chose, ou soit vous êtes croyez pas à une situation ou à une relation, et vous êtes beaucoup de. Vous sentez les choses, mais vous voulez pas croire ou vous voulez pas voir. Et ça dépend de vous si vous voulez à une situation croire ou pas, à une personne ou à une situation. Alors, le signe de lion, je tourne. Après, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'il y a, les réponses que vous voulez savoir, les questions que vous cherchez. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, peut-être semaine prochaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de votre situation. Il y a quelque chose qui vous tendait à une libération. Une libération, peut-être il y a des gens qui sont, pensent beaucoup à cette histoire, que les gens qui restent à la maison, peut-être enfermés, qu'ils cherchent la liberté, si vous pensez à ça. Les gens qui tendent à une libération sanitaire, où les gens commencent à sortir et voir les gens, les amis, les familles, peut-être les contacts, le contact social, ou c'est quelque chose que vous voulez sortir cette maison. Vous voyez, cette maison, les gens commencent à sortir, à voir les gens, peut-être si vous pensez à. Il y a une libération, les gens commencent à sortir. Peut-être que ça parle pour vous, cette message. C'est quelque chose, la semaine prochaine, une réponse pour vous. Si vous tendez peut-être les gens qui sont restés à la maison encore et qui sont, ils n'arrivent pas à sortir ou soit pas les contacts avec les gens, avec les sociaux ou avec les gens, les proches ou pour vivre une vie normale, peut-être vous pensez à ça. Et peut-être il y a la semaine prochaine ou soit 2 semaines. Cette réponse que vous pensez. Si vous pensez à ça. Alors, les conseils pour les vierges, confiance. Confiance à votre voix intérieure. Vous êtes guidé, vous avez besoin de méditer, besoin de calme, besoin d'utiliser beaucoup les pierres. Soit si vous êtes guidé à un univers qui vous guide, quelqu'un qui vous protège, besoin vraiment beaucoup de méditation, beaucoup de temps reposé. Si vous êtes quelqu'un beaucoup spirituel, soyez confiant, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et vous êtes peut-être besoin à porter les pierres, l'améthyste, peut-être ça va aider pour concentrer, si vous êtes difficulté méditer, ou soit difficulté rester calme, peut-être, ou soit pour la spirituelle, c'est les pierres, l'améthyste, ça va aider pour vous un petit peu pour connecter avec les divins, connecter avec l'univers. Alors, les réponses pour vous, les signes de balance, pensez à une question et je tourne pour vous les balances. Alors, les balances, cette situation, ça va améliorer. Pour vous, vous tendez libération à une communication, sortie à une situation, sortie à une tristesse où il y a les gens qui sont restés beaucoup bloqués, ou soit qu'ils trouvent une nouvelle lumière pour sortir un blocage ou un problème ou à une situation que vous pensez à une libération, à une communication, retourner les situations, ça va améliorer pour vous. Le conseil pour le scorpion, votre réponse, alors le scorpion, gardez. Qu'est-ce que vous pensez? Je tourne les cartes, les scorpions. Vous pouvez arrêter la vidéo. Lâchez prise, les scorpions. Vous avez besoin d'équilibre, soit un équilibre énergétique ou soit un équilibre professionnel ou général. Besoin d'équilibre, besoin de lâcher prise les pensées, lâcher prise à une situation que vous êtes très occupé, que vous tendez. Besoin d'équilibre, besoin. Une stabilité dans votre vie et besoin vraiment lâcher prise à une situation que vous êtes très occupé.
Alors, les Sagittaires, si vous attendez une réponse pour vous, les Sagittaires, arrêtez les vidéos. Après, je tourne les cartes. Les Sagittaires, si vous attendez le entre de l'argent, vous attendez un cadeau, vous attendez une amélioration côté matériel. Il y a un entre de l'argent, il y a l'équilibre de côté matériel, les Sagittaires. La rose, vous sentez beaucoup l'amour, l'amour partagé, votre générosité, et peut-être vous êtes quelqu'un beaucoup spirituel aussi, besoin de communication, peut-être à un projet que vous êtes demandé l'aide, ou soit un projet qui porte une nouvelle stabilité matérielle, que vous pensez à ça, ou à un nouvel travail. Alors, les signes de Capricorne, je tire une carte. Et vous pensez à votre question. Si vous pensez à une question, le signe de Capricorne, je tourne des cartes, vous arrêtez pas. Quelque chose que vous voulez avancer, un nouvel contact, un nouvel départ, vous descendez à une sortie, un blocage, ou soit sortir à une situation, ou peut-être un projet que vous pensez arrêter. Vous arrêtez pas ce projet, peut-être dans l'avenir, ça porte peut-être la stabilité. Ou soit si vous êtes avec quelqu'un qui pense à une relation, qui vous êtes marre dans le couple, ou soit marre dans cette relation, que vous voulez arrêter, vous arrêtez pas cette relation, il y a une stabilité. Alors, pour les signes les réponses pour vous, les signes de Verseau. Alors, le Verseau, quelle question que vous êtes demandé, on verra pour vous. Quelle réponse que vous cherchez pour vous. Alors, profitez le temps avec les enfants, si vous pensez les enfants, si vous pensez à une prière que vous êtes fait, que vous êtes connecté avec une Vierge Marie, si vous priez beaucoup à la Vierge Marie. Soit vous êtes prié beaucoup votre ange gardien qui vous voulez prendre, peut-être vous pensez beaucoup les jours qu'ils veulent tomber enceinte, qu'ils tendent à un enfant, qu'ils veulent peut-être un enfant, qu'ils demandent beaucoup la Vierge Marie et qu'ils demandent Dieu, il y a une protection, il y a une nouvelle naissance pour vous, nouvelle naissance, nouvelle amitié, nouvelle relation avec la famille. Vous êtes guidé, vous êtes quelqu'un protégé. Vous priez beaucoup et vous êtes quelqu'un, peut-être beaucoup la foi, quelqu'un qui protège un enfant, qu'elle demande peut-être la protection Vierge Marie. Ou soit vous êtes quelqu'un qui veut un enfant, qu'elle demande beaucoup l'univers pour cet enfant. Peut-être il y a une nouvelle pour vous, peut-être vous tombez enceinte, ou soit quelque chose qui vous tendez longtemps pour un enfant. Soit protéger les enfants que vous pensez, que vous demandez beaucoup les prières. Les signes de poisson, les réponses angéliques pour les signes de poisson. On verra pour votre réponse, les poissons. Je tourne la carte, les poissons. Alors, si vous êtes à un conflit avec quelqu'un, il y a un pardon offert. Il y a un contact, il y a un retour, l'équilibre dans cette relation. Il y a une nouvelle éclairer les relations. Il y a quelqu'un qui demande un nouvel départ ou un contact avec quelqu'un qui vous êtes plus contacté longtemps. Ou soit vous êtes quelqu'un qui a un problème, régler un problème avec quelqu'un. Ou avec une situation que vous pensez beaucoup, le poisson, ça va régler cette situation pour vous. Voilà, c'est un message, réponse, votre question, chaque question, chaque signe. Et pour une journée, je demande comme ça, spécial pour vous. Et prenez ce qu'elle parle pour vous, si elle ne parle pas, ça parle peut-être pour quelqu'un d'autre, ou soit si elle ne parle pas pour vous, cette journée, peut-être ça va parler plus tard. Merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt, mes amis. Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous, likez. Merci de votre soutien et votre fidélité. Au revoir.